Journée handicap en marge du congrès des médecins rééducateurs à Toulouse. Cette semaine, l'hôpital s'ouvre au monde associatif. L'occasion pour toutes ces associations sportives et culturelles qui travaillent dans le domaine de se réunir. Le message fort, c'est que voilà, la vie continue après l'hospitalisation, après la rééducation, et qu'on peut se réinvestir de mille manières à la sortie de son hospitalisation. En l'occurrence, pour Nicolas, devenu tétraplégique il y a 3 ans suite à un accident de piscine, c'est le quad rugby qui est devenu sa grande passion. Ça me tient à cœur de voir déjà le groupe, quoi. C'est un groupe vraiment dynamique et donc on est bien entouré, on se sent déjà dans une famille. Et moi je ne fais pas trop de différence entre handicapé et puis valide. Quand on regarde un sport, c'est un sport. Et donc tout ce qu'il y a, c'est de donner le meilleur de ce qu'on a, quoi.